Donc là, je vais vous montrer un petit test qui est en cours. Donc ça, c'est une bouture de vigne maison. On va dire que c'est une vigne que j'ai ici, que j'ai bouturée. Donc là, j'ai planté il y a quelque temps. Je vais vous montrer plusieurs boutures qui ont le même âge. Donc là, vous voyez le bouton. On est le 29 avril. Donc vous voyez, il est tout petit. Donc voilà, il commence seulement à pousser. Maintenant, on va aller un peu plus loin, vers un autre où il y a aussi une vigne maison. Attendez, là, où est-ce qu'il est? C'est pas celui-là. Ah, ici, voilà. Donc la même variété, donc ça vient du même plan. Donc là, on voit la bouture, vous voyez, aussi des petites pousses. Donc eux, ils sont juste équipés d'un circuit Lankowski, et j'ai mis juste un piquet en fer à côté, hein, pour protéger quand je tombe le gazon. Et maintenant, un peu plus loin, là, j'ai fait une expérience. Pareil, même type de bouture. Et regardez là, vous voyez, bien plus en avance. Regardez, vous voyez là. Vous voyez. Donc là, il y a plusieurs boutons, tous bien plus en avance à la plupart, dont celui-là. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc là, il y a un piquet en fer comme chez les autres. Mais j'ai rajouté un piquet en cuivre que j'ai relié avec un fil au piquet en fer. Alors, qu'est-ce que ça fait? Cela fait comme la méthode Spechneff ou une pile galvanique. C'est que ça va créer un courant électrique entre les deux dans la terre qui va stimuler la croissance de la plante. Donc, naturellement, on peut pas faire... Si, on peut faire ça dans un champ, mais différemment, mais... si on ferait ça dans un champ d'un hectare comme Spechneff il y a plus d'un siècle, alors lui met une bande de cuivre ou un gros fil d'un côté du champ et un gros fil de zinc ou une bande de zinc de l'autre côté. Il les relie avec un fil l'un à l'autre et ça crée aussi un courant électrique entre les deux. Hein, donc à petite échelle, il suffit de planter deux piquets, un de différents métaux. Ça peut être même aluminium et fer, aluminium et cuivre, cuivre et fer. On va dire de deux métaux différents. Ça marche très bien avec le cuivre et le fer, comme on voit. Et ça va stimuler la végétation. Regardez, là, il y a des boutons, mais vraiment partout, qui s'ouvrent. Regardez, là, il y a plusieurs boutons, là, plusieurs. Ah, je vais pas tous les laisser pousser, je vais en sélectionner. Mais voilà, ça a l'air de vraiment très bien marcher pour une première petite expérience.